de l'amélioration de la communication devient pour les sciences sociales et humaines un domaine scientifique à investir et un objet de recherche. Pour cette raison, nous parlons ces dernières années de phénomène de la surconsommation du numérique à des effets négatifs sur la santé publique. Les études de terrain et d'investigation nous renvoient à rappeler dans le cadre de cette contribution de triade des acteurs de la vie environnementale, touchant bien l'homme, les animaux et la nature au même niveau de, et degré des effets sur l'environnement. Pour revenir aux directives du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, nous évoquons ces préoccupations à la suite de l'envoi d'une correspondance officielle portant sur le concours au niveau des écoles, des collèges, des lycées et des établissements universitaires. Elle porte sur l'organisation du concours national sur l'éducation environnementale. Pour l'édition 2023, ce concours est organisé sous le signe du slogan « Notre environnement, notre vie ». L'objet de la contribution de professeur Gnawa donc reprend les grandes lignes des effets de la consommation et la surconsommation du numérique. Pour les sciences sociales et humaines, la consommation, surconsommation du numérique s'exprime par les effets négatifs sur la santé de l'homme, qu'il soit une femme ou un homme. Nombreux sont les usagers qui ne rendent pas compte des risques encourus à la suite de la consommation non modérée des moyens électroniques mis à leur disposition. Sur la base de ces interpellations d'ordre politique, pratique, nous essayons de rappeler les effets de la surconsommation électronique et numérique, en commençant par un phénomène social que chacun de nous vit sans pouvoir penser à réduire l'usage du téléphone multimédia. À titre illustratif, nous évoquons donc les enfants autour de la Maïda ou la table à manger, communiquant directement entre eux en utilisant leur téléphone à une distance ne pouvant dépasser un mètre de distance. Les étudiants en plein cours magistral de travaux dirigés et de travaux pratiques, utilisant leur téléphone respectif pendant que l'enseignant-chercheur à transmettre des connaissances et le savoir. Les personnes utilisant leur téléphone pour tuer le temps en plein espace public, qu'il soit un taxi, une voiture, un train ou un lieu public. Pour cette raison, nous formulerons la problématique sous la forme d'une simple question exprimée, qu'on suit. Quels sont les éléments fondateurs de la motivation préventive pour un avenir éco-numérique? Je crois qu'on va passer au résultat. Je suis désolée, c'est la première lecture. Donc, apparemment, on va passer directement à la conclusion. C'est dans cette perspective que nous pensons à la réduction des risques associés aux conséquences de la consommation électronique et numérique. Nous insistons en effet sur la mise en avant de plusieurs points portant sur l'amélioration des conditions de vie, de la vie environnementale, telles que l'éducation environnementale, la protection de la santé publique, la protection de l'environnement, la motivation socio-éducative en faveur d'un avenir économétrique, la motivation socio-préventive pour vie socio-environnementale, la sensibilisation pour l'esprit du développement durable, le développement progressif et constructif de l'esprit de l'éco-citoyen, la mise en avant d'un projet éducatif d'ordre environnemental, la mise en place d'un pont commun entre l'environnement et le cadre socio-sociétal de vie. Et pour dernier élément, nous avons la construction de l'homme responsable, impliqué et engagé vis-à-vis de l'éco-numérique. Dans ce cadre, nous insistons sur l'utilisation de la notion consommation à risque pour rappeler la consommation et la surconsommation de l'électronique et le numérique.
Pour une meilleure compréhension de la question et de la coopération interministérielle et du partenariat répondant aux préoccupations de l'État, du gouvernement et des différents ministères, dont le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, il est nécessaire d'encourager les idées créatives et innovatrices des étudiants universitaires et des diplômés algériens. Nous insistons sur l'algérianité, la citoyenneté et la loyauté au principe de l'éco-numérique. Les axes de cette rencontre scientifique permirent éventuellement aux jeunes universitaires et autres et à les inviter à trouver une solution reposant sur un processus et un ensemble de démarches par le biais de start-ups dans le domaine qui nous interpelle aujourd'hui, à savoir les préventions et la réduction des effets négatifs du numérique et surtout des risques associés aux conséquences de la consommation électronique et numérique. Il est nécessaire de se pencher sur la question de la culture en Algérie, tout en assurant un investissement sur et dans l'homme, qu'il soit une femme ou un homme. Pour cette raison, il est important de rappeler les étapes pour gérer tous les risques. Merci beaucoup.